Ah, les mecs, vous avez tout pété, con. Rampez la prochaine fois. Ça aurait été gay, drôle. C'est qu'on les voit quand même là. Eh, pardon. Excusez-nous. Complètement perdu au niveau de l'amitié, je tiens à le dire. Nous sommes donc avec Nantes, arrière international de l'Union Bordeaux-Bègles. Nantes, Duquin, Ducoin. Alors normalement c'est Duquin, mais libre cours à chacun, et donc Ducoin, du swing, du queen, comme vous voulez, ça me dérange pas. Voilà, au moins comme ça le débat est réglé. Exactement. Le but donc de cette interview sous X, c'est que les gens qui nous regardent découvrent qui tu es un peu dans la vie de tous les jours, bien sûr, mais aussi que tu découvres qui est ton invité mystère. Toutes les questions que je vais te poser, je les ai déjà posées à quelqu'un qui te connaît bien dans ton entourage. D'accord. À toi donc, décide de trouver de qui il s'agit. J'ai compris. Très bien, merci. Allons-y. Est-ce que tu saurais me dire qui est un de tes modèles ? Mystique ou... Dans la vie. Jean Dujardin. Jean Dujardin. Ouais, j'adore le mec, la personnalité, bien sûr l'acteur. Il fait beaucoup rire, je trouve très, très fair et rien que de voir sa courge, en fait, je rigole. Si l'invité mystère l'apprécie, mais en tout cas, il a plus dit que ton modèle, c'était plus ton papa, ta famille en général, quoi. Ouais, mais c'est très vague les questions, là. Oui, rattrape-toi. Mais papa, je t'aime beaucoup. Je t'admire aussi. Est-ce que tu aurais une mauvaise manie ? Ma mère déteste quand je me passe la main dans les cheveux. Okay. Elle me dit, Titi, arrête, on dirait que t'es pas à l'aise, tu te recoiffes tout le temps, t'es complexé ou quoi ? Non, mais tu sais, j'aime bien des fois, me passer un peu. Et donc ça, elle me le dit tout le temps. Donc si c'est elle, je pense que c'est cette réponse. On m'a dit que tu passais énormément de temps en serviette après la douche et que t'étais peut-être le mec qui mettait le plus de temps à se rhabiller de tout le vestiaire. D'accord. J'affine encore. Voilà. Serviette toujours bien calée au bon endroit apparemment. Oui, oui, parce que je veux pas complexer les autres. Ouais. Je te fais pas un dessin. Ton meilleur pote en club. Je crois que c'est une surprise pour personne. Vanu Kobilas. Là, j'ai quand même... que j'adore, ceci dit. Non, mais si je dis pas la vérité, il va me taper dessus. Il va encore... J'entends parler pendant un an. Donc bien sûr, face caméra, Jean-Baptiste Dubier, mon petit boulou. C'est canaille. L'invité mystère a dit le petit boulou. On dirait même qu'ils se connaissaient avant de se connaître, mais tellement ouais, ils sont vrai. Proches. Un coup de foudre amical. Un chanteur ou un groupe que tu aimes bien? Non. Je veux dire la compagnie créole, mais... Voilà, l'invité mystère m'a dit que tu t'adaptes à tous les styles. Ouais. Un peu quand même d'ambiance brésilienne-cubaine, tu vois, quand même, en fond. Ouais, j'aime bien. Et apparemment, clairement, la chanson du moment, c'est Panique à Bordeaux. Oui, c'est vrai. C'est ça ? On a créé il n'y a pas longtemps une sorte d'hymne qu'on voulait pour la fin de saison, qui nous rassemble après les victoires. C'est aussi un petit clin d'œil, un petit hommage à Alphonse Miralles, qui est là depuis plus de 50 ans au club. Ok, on se la fait ? Ouais, si tu veux. Tu m'accompagnes ou pas ? Mais oui, si tu veux. On fait les maracas, alors. Ok, je fais les maracas. Alors ça commence, petite ambiance. Okay. En pleine nuit, une sirène. Affole les joueurs de l'UBB. Au stade Moga, on entend Christophe crier. Ouais, 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 mais qu'est-ce qu'on a fait d'Alfonso? Alfonso, Alfonso, où est passé à Midito? Et là, ça part et on reprend le refrain. Et là, tout le monde danse en même temps. Et ça se fait mal et tout le monde y va. Un moment de honte que tu préférais oublier? On va la sortir, mais c'était à Perpignan. Et je sais pas pourquoi, on avait la connerie avec Mathieu Belli. On faisait les chiens. Complètement ridicule. On s'est raté, ma chienne était là et on est sorti. Lui est passé à droite et moi, j'ai continué dans mon trip. J'ai été jusqu'au premier poteau faire genre de pisser. Et les mecs, ils m'ont regardé, ils devaient se dire, mais qui c'est ce truffé? Et si tu veux, j'étais comme ça en train de pisser, j'ai pris conscience de la situation, j'étais là. Pour l'invité mystère, c'est pas la même, c'est plutôt, on m'a parlé de tes débuts avec l'UBB sur un match, tu fais une course sublime. Ah ouais, j'étais bien. Très très bien placé. Très bien, à 15 mètres de la ligne, apparemment le tracteur a commencé à se roder. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est bon, je l'ai le bougre. T'as trouvé? Oui, j'ai trouvé. Tu penses que c'est qui? C'est ce petit flibustier de Charles Brousse. On va voir la réponse en vidéo. Tu sais quand c'est que j'ai tilté? Parce que c'est lui qui m'a chambré comme un fou. Bon, si c'est pas lui, je suis un petit peu comme un con. Mais... C'est bon. Qui voulais-tu? Qui voulais-tu? Qui est mieux placé que moi, que le papy ancestral, le fonfonnet de ce club? Ah mon fonfon, pas pensé une seule fois. Je peux te dire... Ah, Miguitos. Fonfon, donc l'emblématique du club. Grande mes fonfons, grande mes. Ha, fonfite. Olé! 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 Si, señor! Qui vaut l'équipe ce soir? Amiguito, hombre! Et un fito. C'est bon. Putain, j'ai pas pensé. T'es un coquin? J'ai deux enfants, ça aurait pu être le troisième. Ouais, merci pour cette interview sous X. Et puis, bonne chance à l'UBB pour cette fin de saison. Yes, merci à toi. Merci beaucoup. Un plaisir.